découverte de la rivière miraculeuse Sangban, elle se trouve à Konkoun, à Madinani, dans la région du Kabadougou. Des inondations exceptionnelles ont lieu dans le sud-ouest de la France. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. Madinani est une ville du nord de la Côte d'Ivoire située à environ 80 km d'Odienné dans la région du Kabadougou. Dans cette localité se trouve la rivière Sangban, précisément dans le village de Konkou. Elle est dite miraculeuse, que signifie le terme désignant cette rivière? Est-elle entourée de mystères? Comment produit-elle des miracles? Notre reporter Noussangari s'y est rendu. Il nous fait son point qui est commenté par Alassane Drabo. Un chant rituel pour appeler les esprits de la rivière avant que Brahima, le sacrificateur, ne fasse ses incantations. Il reçoit ce jour Fandio, un jeune cultivateur venu implorer les esprits des eaux afin que sa récolte d'anacarde soit fructueuse en cette année 2021. L'année passée, j'ai fait une saison, ça n'a pas marché. Je viens voir l'adorateur, pour que j'adore même ce margot, pour que le margot m'aide même à faire une réussite dans ma récolte de cette année. Au sacré, le Sangban est une rivière située à Konkoun, dans le département de Madinani, au nord-ouest du pays. Cette eau serait dotée d'un pouvoir magique de protection et de résolution miraculeuse de toutes sortes de préoccupations qui lui sont soumises. Le margot était adoré par nos ancêtres. Ils ne sont plus là, nous sommes obligés de suivre la trace des ancêtres en venant adorer le margot. Pour pouvoir venir adorer le margot, il nous faut forcément de la kola et puis un poulet, les couleurs blanches et puis le poulet. Et si tu viens dans le margot, que tu veux avancer quelque chose, tu veux que tu sois quelque chose, tu viens, tu peux venir dire, tu veux venir adorer le margot avec un mouton, soit un bœuf. Et si ça marche, vous revenez. Bien que le village soit à majorité musulmane, la pratique de l'islam n'empêche pas l'adoration de cette rivière sacrée. Le lien entre le village et le margot n'a rien à voir avec la mosquée. Ici, c'est notre coutume qui est là. On ne peut pas l'abandonner pour autre profit. Nous pratiquons nos religions d'islam. Mais avec l'appui du margot, nous faisons nos rituels. Voilà. Dans la rivière, on trouve des silures et des caïmans. Mais il est interdit de les consommer. Si quelqu'un enfreint cette interdiction, il risque la mort. Avant, c'est ici. On prenait l'eau pour pouvoir boire et se laver, faire tout dans le village. C'est avec cette eau. Mais on prenait l'eau, mais ça touchait les poissons. Tu viens, tu prends ton dos, même s'il y a un poisson qui est dans ton seau, tu l'enlèves, tu le déposes, et puis tu vas avec ton dos. Vous êtes rendu le nom Sangban, c'est éviter ce qui est dans l'eau. Ne pas manger ni le poisson, ni le caïman. Parce que si tu prends le poisson, tu peux l'envoyer au village, aller le préparer pendant 3 jours, le poisson ne sera pas cuit. Donc tu vas revenir déposer ce même poisson dans l'eau. Sinon, pour celui qui tue le caïman, il ne va plus vivre. Des mystères, cette rivière en regorge. Des mystères que personne n'a pu percer. Le jour où tu viens trouver un sulé mort dedans, c'est qu'il y a des garçons qui vont mourir dans ces 2 jours-là chez les chefs du village. Si c'est d'autres poissons-là, comme on appelle, cap, c'est que ce sera une femme. Si c'est celui, ce sera un garçon qui va mourir dans ces 2 jours-là. Ça manque pas. La rivière sacrée, le Sangban, ne tarit pas, même en saison sèche. Ce site accueille chaque jour au moins 20 visiteurs. Autre chose à présent, le développement du capital humain est un concept créé par la Banque mondiale. Il doit se faire par une bonne nutrition de la mère et de l'enfant. Le comité technique du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance a planché sur la question de la malnutrition dans les pays africains. C'était en présence de représentants du ministère de l'Éducation, de la Santé et de l'Agriculture. Anicette Conan, Joël Gosset. Maman, je préfère ton lait à tout autre lait. La nutrition au cœur du développement durable.
Dans ce complexe hôtelier, ce sont les thématiques qui ont meublé la première réunion statutaire du comité technique du Conseil national de la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, CONAPE. Pour Dr Ngoran, conseillère à la présidence, chargée des questions de nutrition, de l'alimentation et du développement de la petite enfance, les gouvernements devraient mettre l'accent sur le développement du capital humain, concept développé par la Banque mondiale, qui est la valeur totale de la santé, des compétences, des connaissances, de l'expérience et des habitudes d'une population. Dans le cas du décret qui a été pris portant création du CONAPE, c'est réellement un cas d'échange et de partage qui vont jeter les grandes orientations. Nous voulons la bonne nutrition pour nos populations et pas la maladie. Nous n'attendons pas la maladie pour y agir. Vous avez vu la présentation de la FAO et tous les grands défis des systèmes alimentaires aujourd'hui dans lesquels la Côte d'Ivoire va s'inscrire dans un dialogue pour voir comment, avant le sommet des Nations Unies, la Côte d'Ivoire pourra répondre au système alimentaire, bien sûr, avec le ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales. Le renforcement de la nutrition de la mère et de l'enfant devrait être au cœur des préoccupations de tout gouvernement, selon l'expert de la Banque mondiale. Les conditions sont importantes parce que si la maman est dans de bonnes conditions nutritionnelles, est dans de bonnes conditions psychologiques, cela va aider l'enfant à bâtir un matériel génétique très important. Pour les experts présents, le capital humain ne s'écrit pas seul. Il doit être cultivé par l'État, en partie parce que les individus ne sont pas souvent conscients des avantages que les investissements dans des êtres humains peuvent procurer à d'autres personnes. Soulignons que la Côte d'Ivoire a eu une augmentation de son capital humain qui est passé de 0,30 à 0,38 entre 2010 et 2020. Nous restons dans le domaine de la santé. 30 nouveaux-nés de la commune de Kumasi ont reçu des kits de naissance. C'est un don des femmes de la Fédération Zassa de Côte d'Ivoire. Au total, 15 maternités ont été visitées. Joël Gossé. Alice est heureuse. Elle ne s'y attendait pas. À peine elle accouche, qu'elle reçoit un cadeau pour sa petite fille. Je viens d'accoucher. Pour moi, c'était chaud, mais on a oublié la vie de l'enfant. Non, c'est dedans, je n'en ai rien habillé pour faire porter à l'enfant. Donc, merci beaucoup à l'ONG Nzassa. Ces dons sont de la Fédération des femmes Nzassa de Côte d'Ivoire. La distribution de ces kits de naissance vise le bien-être des nouveau-nés et de leur mère. Nous passons dans les centres communautaires de Kumasi pour pouvoir donner, n'est-ce pas, un petit cadeau aux mamans et profiter pour les sensibiliser au Covid. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est. Le Covid est en train de faire des ravages dans tout le monde entier. Et nous venons pour leur dire, si elles sont en bonne santé, les enfants seront en bonne santé. Donc, de toujours avoir leur masque afin d'être en bonne santé pour pouvoir protéger la vie de leur bébé. Cette action sociale est accueillie comme un soulagement par les bénéficiaires. En tout cas, je n'ai pas de mots à dire parce que je suis très contente. Je dis merci à Dieu pour tout. L'accouchement s'est très bien passé. Et aussi, vraiment pour la surprise, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je dis merci aux femmes pour tout ce qu'elles ont fait. Que Dieu les bénisse. À la fin de la distribution, c'est une présidente plus que satisfaite que nous retrouvons. Le message est passé, surtout la sensibilisation. Les mamans ont compris et nous sommes heureuses. Ce sont au total 5 maternités de la commune de Kumasi qui ont reçu la visite de Broubello et de ses membres. Dans un autre registre, les populations de Grébo-Izambré dans la sous-préfecture de Ouragayo ont décidé de mettre en place un fonds de développement communautaire. Cette caisse va permettre de créer des infrastructures économiques au profit des villageois. Première activité financée par ce fonds, la construction de l'école primaire. Clément Boukou. Le village de Grébo-Izambré dans la sous-préfecture de Ouragayo célèbre la cohésion sociale. Cette localité où cohabitent des populations de divers horizons s'est toujours prémunie de violences pré- et post-électorales. Aujourd'hui, les fils et filles de ce village veulent aller plus loin en impulsant le développement. D'où la mise en place d'un fonds de développement communautaire. Pour l'initiateur, l'autodéveloppement communautaire est un instrument de consolidation de la cohésion sociale. Un fonds de développement communautaire, c'est une épargne constituée et mobilisée à partir des cotisations individuelles des membres de la communauté en vue du financement durable
des projets, des besoins et de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons construire un bâtiment de 3 classes plus bureau. Nous allons mettre en commun nos fonds. Chaque membre de cette communauté va participer à hauteur de 1 000 francs par mois. Comme on le dit, l'union fait la force. Première activité à mettre à l'actif du fonds de développement communautaire de Grébeau-Izambré, la construction d'une école primaire. L'école actuelle est trop éloignée du village. Séance tenante, une levée de fonds a permis la collecte d'environ 2 millions de francs CFA. Au cours de cette célébration, la population a eu droit à un message sur la cohésion sociale. Il peut y avoir cohésion sociale, les parents peuvent s'entendre, il n'y a pas de problème dans le village, mais si on reste les bras croisés, on ne va pas faire avancer le village. On est obligé d'entreprendre, d'ouvrir des commerces, de créer des plantations. On peut également inviter les cadres à investir au village. Je pense que quand on est occupé, on n'a pas le temps pour faire palabre. Avec la création d'infrastructures économiques, les habitants de Grébeau-Izambré veulent servir de modèle aux autres communautés de la région du Gord. Hors de nos frontières, le Bénin a franchi un pas vers l'élection présidentielle du 11 avril prochain, avec la clôture ce jeudi 4 février à minuit de l'enregistrement des déclarations de candidature. De 5 les premiers jours, ils sont finalement 20 à avoir déposé leur dossier dans les délais fixés. Parmi eux, le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession, et de nombreux indépendants et novices. Les 20 candidats enregistrés disposent encore de 72 heures pour compléter les pièces manquantes de leur dossier, après quoi la Commission électorale nationale autonome Sénat devra rendre publique du 10 au 15 février prochain la liste provisoire des candidats retenus avant la publication de la liste définitive le 22 février. On sera alors à un mois de la campagne pour le premier tour du scrutin. Sous pression depuis plusieurs jours et visé par une pétition signée par une 60aine d'élus, le président du Sénat a finalement pris les devants et remis sa démission ce vendredi, à quelques minutes du début d'une séance plénière qui devait examiner les pétitions réclamant sa destitution et celle des autres membres de son bureau. La plupart d'entre eux avaient déjà remis leur démission, fragilisant encore plus le président du Sénat. Les participants au dialogue inter-libyen réunis sous les auspices de l'ONU en Suisse ont élu vendredi par surprise Abdul Hamid Debba, premier ministre de transition, en vue de préparer le scrutin national du 24 décembre. Son colistier Mohamed Younes Menfi a lui été élu président du conseil présidentiel transitoire. Selon l'ONU, Le futur exécutif transitoire, aura pour mission de réunifier les institutions de l'État et assurer la sécurité jusqu'aux élections prévues en décembre. Je n'ai jamais vu ça. Des habitants de la Réole en Gironde réagissent à la crue de la Garonne. Un pic à 9,69 mètres a été atteint dans la ville. En amont du fleuve, le Lot et Garonne voisin a également été fortement touché avant d'entamer une lente décrue. La Réole Gironde France, un pic de la Garonne à 9,69 mètres. La Réole n'avait pas vu ça depuis 40 ans. J'ai jamais vu ça. Donc oui, là c'est vraiment exceptionnel. Le sud-ouest évalue les dégâts après le passage de la tempête Justine. On habite juste là de l'autre côté et on a été obligé de sortir avec les enfants en bateau avec les pompiers. Parce que l'eau est montée en même pas 1 heure et demie de temps de ce matin. Quand vous voyez les meubles qui flottent dans la maison, c'est vraiment impressionnant, quoi. Surtout quand il y a des enfants quoi, avec nous, c'est terrible, quoi. J'étais là en 81, mais j'étais de l'autre côté de l'eau, et voilà, donc je me rappelle, mais c'est un peu du même style. Mais bon, après, ça fait partie, la Garonne, c'est du vivant, donc ça bouge, et donc il faut toujours être vigilant, même si on pense qu'il y a des choses aujourd'hui qui ne sont plus possibles. Miélan sur Garonne, l'eau et Garonne en France. Dans le Lot et Garonne, le fleuve poursuit sa décrue. La vigilance rouge, inondation, est levée. La crue a atteint son niveau maximal, le pic. On arrive sur une période qu'on va appeler période d'étale, c'est-à-dire que l'eau va stagner un moment.
annoncé pour une dizaine d'heures environ. Aucun disparu, aucune victime. Les riverains sont habitués, les riverains de Garonne sont habitués à ce genre d'événement et ont anticipé. Néanmoins, la crue étant exceptionnelle puisqu'elle n'a pas été, vue depuis 1981, une crue de cette ampleur. Les gens ont été surpris et ont besoin d'évacuer leur domicile. Les inondations ont privé d'électricité jusqu'à 2000 foyers. C'était le point d'Anicette Conan et Clément Bocco. Fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée et bon début de week-end. À très bientôt.